Hey yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kingdom Reborn. Alors, je crois qu'on s'est arrêté sur de nouveau un déficit d'employés que je venais de régler, ouais, c'est ça. Oui, ah oui! Oui, mais on venait de passer au Moyen-Âge, non, à l'âge des Lumières. Hein? Ah oui. De la sablière, on peut établir des politiques, un centre d'espionnage. Oh, des routes pavées. Les horaires de travail, non, ajustement budgétaire. Ça va me servir, ça. Oh, fromager, ça c'est bien ça. Convertir les maisons de l'ennemi en réseau d'espionnage pour voler de l'argent. Oh. Gousu gousu, c'est mignon ça. Alors on va faire les routes pavées avant. Pour pouvoir améliorer le déplacement. Quoique, ou ici route pavée. Ensuite je partirai sur toutes les techniques forestières, relations commerciales et tout ce bazar. Ça, j'ai des cartes avancées aussi. Il faudrait que je fasse. Ferme de champignons avancés, par exemple. Je l'ai pas, ça. J'en ai une autre. Je crois que ça doit être la briqueterie avancée que j'ai pas non plus. On va voir. Ah oui, il fallait que j'ai du bois. Pour le maltage. Et de la pierre pour les maisons. Là ça marche, ça fait petit à petit. Catalyseur, du tamis aussi là. Ah, j'ai pas mis à la bonne vitesse. Est-ce qu'on va augmenter petit à petit, surtout en fin de partie? On a toujours pas assez de travailleurs. Oui, bon, on sait pourquoi on a pas assez de travailleurs. Champignons magiques. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de la bière, on était pas mal. Au niveau de la poterie, on était pas mal. Au niveau des tulipes, on est vraiment bien. Ah oui, il faut du cannabis. Alors. On va le mettre à la place. On va le mettre ici, le cannabis. Et on va aller acheter la carte. Est-ce que j'ai assez? Oui. Oh oui, oula oui, oula, ça c'est bien ça, oh là 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 là. En plein milieu là. Mama. Oui oui, venez maman. Production, viabilité, si j'aurais besoin de deux viabilités pour les mines de joyaux. Alors. Je vais récolter la pierre ici, qui ne m'intéresse pas du tout. De là, voilà, cette pierre. Ah, c'est vrai que j'ai une cabane de bûcheron ici que j'avais totalement zappé. Hein. Alors, une puissance. Oh, sympa ta maison. On partage? Non, c'est pas ça? Merde. Ça d'ailleurs, hop là. Ah, ça s'améliorera blanc. On va voir si on peut commercer des choses intéressantes. Ouais, les briques, hein, on peut les commercer. Hein. Ah, on va commercer de la brique.
Et on va améliorer l'hôtel de ville. Wonderful. Reçoit le centre d'espionnage. Vous allez débloquer plus de cartes spéciales dans la boutique des cartes. Vous pouvez maintenir le stockage marché ou la production. Le bâtiment sera stocké, ok. Ouf, ouf. Donc centre d'espionnage. Oh, oh, il rentre. Merde, j'allais dire il rentre. Oh, tout pile. Non. Non, il ne rentre pas tout pile. Alors on disait, je peux espionner, machin. Non, c'était eux là, je crois. Alors, dans une maison. Hein? Ah. Alors. Planifier un enlèvement. Oui. Non, ça on va fermer. Oui, c'est vrai que j'ai... C'est de conquérir. Alors planifier un enlèvement. Ici. Ah oh, ouais. Comment ça, ça marche pas? Ça, c'est juste pour découvrir des réseaux, ça? Bon. D'accord, c'est toutes les 420 secondes. Bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore à conquérir, moi? J'ai tout conquis, moi. Bon, je rigole, hein, bien évidemment. Conquérir. Ah, j'ai perdu un épéiste ici. Bah, tant mieux, je pourrais utiliser des berserks. Oh, j'étais un peu près du micro là, hein. Un peu très beaucoup près du micro. Qui j'ai cru pendant un temps ne fonctionnait pas, mais si, totalement. Ah, j'étais pas rassuré. Ok, du miel, machin. Et puis j'ai pas encore besoin d'entrer. Ouais, du blé, t'en as pas toi? Ah oui, mais j'avais dit quoi? J'avais dit ça, toi tu vas devenir du fou. Voilà. Merde, et là les deux. Je vais pas en avoir besoin. Impeccable. Ça. Ça dégage. Et je vais faire une un petit peu d'herbe médicinale pour terminer, voilà. Ok. On a combien en pierre? 5 maisons, ah, impeccable, on a toutes nos maisons de pierre. Ah oui, là on peut rajouter une carte spéciale. Qu'est-ce qui est qui serait sympa comme la pénalité d'efficacité des travailleurs. Un faible bonheur ne dépassera pas. Ouais, non, non. Ah oui, myrtille et citrouille. Je les ai pas. Non, je les ai pas, hein. Allez hop. C'est un peu beaucoup ça. Les foyers disposant de poteries rapportent 4 de sciences supplémentaires. C'est intéressant. Ah. Bon, il me le faudra pour plus tard. Arme techno. Non. Arme des améliorations. Hop, hop. ...452, ok. Pas beaucoup de péons ici, hein.
Vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de me dire où est-ce que je pourrais mettre les prochains pâturages. Là j'ai un peu de place, là aussi, ouais tout là j'ai ce qu'il faut. Ouais. Je me dis en fonction d'où je mets mes fermes avancées là. Besoin d'entrée, ouais lui il a du mal avec le... Il a du mal à elle a pas assez de bois. Mettez ça en prio s'il vous plaît là. Il faut absolument la construction. Ouais, j'ai pas beaucoup de bâtisseurs. Dommage. Allez, on va vendre les trucs habituels, laine moins. Combien? 240. Et j'ai du cuir aussi à vendre. Cuir. Il est tout mon cuir, je l'ai vu tout à l'heure. Ah. Moins 358. Moins 2. 8. Et... j'avais vu une carte en vue ça. J'en ai pas d'autre, hein. J'avais rien d'autre intéressant. Ah, les potiers. Ouais. On va voir. Alors, déjà. Décoration maison. Coopérative de pêche. Eh, ça me sert à rien. Prendre le maître potier. Voilà. Comme ça, tout le monde aura des poteries. Non. 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 Toujours pas. Je vais pas y arriver. Oh la grande salle, si ça c'est vrai, je l'ai totalement zappé. Oh ça coûte tellement de bois et de briques. La brique c'est bon, le bois c'est pas bon. Mais il me faut la grande salle. J'ai hissé la grande salle. Non c'est pas ça. On va la mettre là. Comment ça? Oh. Bon, on va la mettre là. Je connaissais pas ce type de gameplay avec Ah c'est ça. Ah ouais c'est tout. Ouais bon. Ouais pourquoi pas, écoute hein, ça me fait plus de péons assez rapidement, enfin ça va augmenter ma vitesse de péons là. J'ai des ouvriers là qui sont dispo, bon pourquoi pas. C'est le centre d'espionnage qui me fait ça. Hein. Écoute, alors Babar, allez direction Babar toi. Améliorer l'équipement de voyage. Ah bah oui. Et là, route commerciale. Ouais. C'est vraiment ce mec là qui vient travailler là-bas. Alors que j'ai fait une maison exprès. Oui bon. Alors c'est vrai que pendant que j'y pense, je peux améliorer mes routes. En des routes pavées. Non, j'ai pas fait le bon. Oui, j'avais pas fait le bon effectivement. On va mettre des routes pavées. L'inconvénient de ça, c'est que ça va me coûter cher en pierre, très cher en pierre là pendant un moment.
Donc je vais le paver, mais tranquillement. Tranquille au bilou là. Voilà, parce que j'ai pas moyen d'upgrade toutes les routes. Ça fait chier. Entraîner des troupes Drakkar. Catapulte. Oh, les berserks. Oh, ça demande des lingots de fer carrément. Ouais, ils font pas chier. Hein. Et avec les Drakkar, je pourrais aller chercher les villes côtières, donc. Oh. Ah ouais, j'avais pas vu le coup en bois, ouais. Non, 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 bah non, on va attendre. 800 bois. Hein. Non, bah non, non, non. Soyons patients. Ah, oh la vache, le nombre d'ouvriers là que j'ai. Intérêt de construire ça. Ouais, voilà. Très bien, très très bien. La plantation d'arbres non d'arbres si d'arbres fruitiers d'arbres fruitiers et je vais mettre déjà je vais paver la route là parce que là cette route elle est ultra longue pour pas grand chose. Voilà et je vais y mettre des apiculteurs, un apiculteur je crois parce que j'ai besoin d'hydromel. Apiculteur, voilà, happy, cause you're happy, hop, ces unités là, on va les stocker, voilà, très bien, qu'est-ce que ça donne, oula oui, j'ai oublié ça depuis un moment là, les techniques agricoles, techniques de chauffage, allez, impec, fiscalité, ah, justement de l'impôt, non, monte le nombre. Ah ouais, ça peut être sympa. Ça. Pompe d'irrigation, on verra plus tard. On va partir sur une techno commune. Ah mais c'est ça. Convertissez les maisons de l'ennemi, mais j'avais pas fait encore la recherche. C'est pour ça que je pouvais pas la voir. Besoin d'entrée, besoin d'entrée, besoin d'entrée. Ouais, moi je produis clairement pas assez de bois quoi. Je pensais que si, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Là, ça a bien pavé, hein, ici. Bon, j'ai plus de pierre. Ça pave bien, mais j'ai plus de pierre d'ailleurs. Ça pave. Ça pave, ouais. ouais. Les routes sont bien pavées, mais ça consomme. Là, je suis bon, là, je suis bon. Ouais. Ouais, les choux, là, ça augmente avec le champ là que j'ai fait. 4800? Bah non, 10 000. Bah ouais, mon gars, là. Zappé, ça va être totalement zappé là. C'est comme là le blé sauvage là. Là j'en ai plus besoin. Hein. On va faire quelques myrtilles histoire d'eux. Comme là. On va faire quelques citrouilles. Pareil histoire d'eux. Merde. Myrtilles, production par an. 170 blés. Yes. Ah oui, 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 attendez, j'ai pas mis un truc là. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, Shift Z. Alors, là, ça va être drôle parce qu'il va falloir que je fasse le chemin encore. Hé.
Alors, oui, on va faire ça bien. On va faire ça très bien même. J'ai besoin d'un énorme entrepôt là. Qui puisse entreposer tout. Toute la prod. Allez, alors. Ah ouais? Bon, moi, on promet là. Hop, une année positive encore, ça c'est bien. Ben voilà. Maison trop éloignée, forcément. Mais ça, c'est pas bien grave. Oh tiens, non, je vais pas faire comme ça d'ailleurs. Oh non, tiens, je vais même pas faire comme ça en plus. On va y arriver. Hein. Ah bah si, je vais faire comme ça en fait. Ah oui, mais non. Non, non, on va bien faire autrement, oui. Oui. Voilà. Deux. Trois. Oh. Voilà. Voilà. Oula, attends, ça va déposer quoi là? Ah oui, bah oui, toutes les briques. Le grand entrepôt. Allez, on a un moment. Ouais, on enlève le site de là, hein. C'est bien, c'est très bien. Putain, les trois citoyens. On est comment? On est... en plus, ok. Parce qu'on a la période des semis, ouais c'est ça. Le bois par contre, toujours pas. Hein. Putain, pourtant... D'accord, ça fonctionne là. Ouais mais là il est en plantation, ok. Viabilité, on a... Hop. Autre viabilité, ça c'est très bien. Inventaire, il faut l'inventaire cadre. Et je vais me permettre de passer sur un x3 maintenant. Charbon, je ne produis plus assez. On va repasser en x2. J'ai plus assez de prod de charbon. Oh, c'est gênant ça. Bon bah, pas le choix hein. On va faire une troisième. Et je vais devoir utiliser mes, merde, mes deux règles de viabilité là. Et on va faire une construction rapide. Il faudrait être plus large. Mais j'ai pas de pierre. Elles sont chères les pierres. On va acheter quelques pierres. Voilà, ça arrivera au prochain tour d'achat là. Et ici on va vendre. Bon, quelque chose hein. Yes. Les poteries. Oh, elles sont chères les poteries. Oh, les outils en fer, ils sont chers aussi.
Non, on ne les poterie. Hein. Moins 360. Voilà, on se met bien. Là-bas, la route, elle est en train de se faire. Tac, 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 tac. Les maisons également. Les champs de cannabis également. Je vais vérifier un truc au niveau de la viande. C'est limite au niveau de la nourriture, je veux dire. La viande. Oh, lapsus. Le gros lapsus, quoi. Je vais partir sur ensuite brûlerie de café. Ça me servira à rien, mais pour faire l'élevage de bétail qui pourra me débloquer le fromager. Ça pourrait être très intéressant. Donc ça me donnera de la viande et du lait. Doublement intéressant. Ah, la bière, hein, la bière. Ouais, ça produit pas des masses hein, à cause de ça. Hein. À cause de mon problème de bois là. Bon, tu me diras avec ce que je vais couper là en bois, normalement pour faire les champs, ça devrait être. Ça devrait aider, mais. Ouais. Ouf quoi. Allez, hop, techno. Je peux pas mettre recherche. Dommage. Voilà tout ce qui est coupé. Faites prioriser ça, ça vous invitera de faire des allers-retours vers je sais pas où là. Là je profite, j'ai un petit peu d'ouvriers en rab normalement. Ah non, je suis tout pile. Avec 13 bâtisseurs en rab. C'est bien. Hop, on va accélérer le temps. Je suis en x3, on peut mettre x4. Mais bon là c'est un coup à louper des choses. C'est vraiment fin de partie que je mets du x4. 4 citoyens, yes. Voilà, allez. Cassez-moi toute cette pierre là. Très bien les gars. Continuez comme ça. Voilà, vous êtes bien les gars, vous êtes des gars forts. Des gars sûrs. Camille. Camille, Camille. Camille. Ok. Camille. Camille. Ok. Oui, j'ai bien vu. Ah oui, bien sûr, définir l'objectif de prod de 10 000. Ouais. Au moins ça, hein. Bah les mecs, vous voulez pas construire hein. Brûlerie de café, non merci, ça ne m'intéresse pas. Élevage de bétail m'intéresse. Nourriture. On consomme un peu plus que ce qu'on produit. Voilà, bien les gars, bien. Vous avez compris ce que je voulais là. Je veux victoire, Victor. Tu caches quelqu'un, Victor, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Comme ça, ça ramènera les ressources dans le grand entrepôt, plutôt de les mettre je sais pas où. La vache, et il est long à construire le grand entrepôt. Attends, malgré là, le bois là que je coupe... ouais, tu me dirais, il est utilisé pour les maisons, les champs... Ah, les fermes. Ah ouais, mais les fermes, elles demandent un nombre de bois de fou, là. Tu me diras, là, tout est... Enfin, le bois nécessaire est quand même rempli. C'est quoi ça? À toute construction pour... Ah oui, ça doit être un champ. Là. Yes, voilà, j'ai le grand entrepôt. Ils seront plus obligés de te barrer à Pétaouchnock là pour vider leur inventaire. Ouais, ça a l'air d'accélérer un peu la production. J'espère. Très bien, donc quand on va s'installer quelque part, faire un entrepôt. D'accord. Je retiens.
là. Mine de rien. Ils en déposent des trucs. Bon, c'est très vite utilisé, mais ils en déposent, hein. Ah, tu m'étonnes en même temps. Putain. Je me dis, mais tu m'étonnes avec la nourriture, là. J'ai besoin d'énormément de nourriture. Vous semblez plutôt satisfait de vous-même. Il serait peut-être dommage que quelqu'un perturbe sa paix. Oh, bah, viens. Viens donc, tiens. Qu'on rigole un coup. Viens donc essayer de te frotter à moi. Hop. Bon, par précaution, je vais quand même faire des forts. Ici. Ici. Faudrait que j'en fasse un là, mais... Ah, c'est que ça prend de la place, un fort, quoi. C'est... Ouais. Je suis pas loin. Et ça joue vraiment pas à grand chose en général en case. Oh. Ah, si je décale la route. Ici, si je décale la route, c'est bon. Donc. Excusez-moi, les gars, je remettrai la route plus tard. Oh, yes. Hop. Je vous refais votre route. Non, no way. Ça bloque vraiment le... Merde. Bon. Non mais ce sont des choses qui arrivent quoi. C'est dommage. C'est pas très grave quoi. Oh non. Ah ouais. On va accélérer la route. Hein. Pas déconner quand même. On le va... Enlèvement je veux dire. Enlèvement, 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 enlèvement. Eux ce sont mes potes. On va aller là-bas. Allez, comme ça on aura volé un peu tout le monde. Alors, je voulais juste voir au niveau des forts. Ok. Pas mal de zones fortifiées. Le reste, là, je peux pas, c'est déjà plein. Hein. Ah, je peux fortifier là. Fortifier là. Ah, oh, ça me fait chier. Ici, je peux fortifier. Ok. Nos territoires qui sont fortifiés, ça c'est cool. Alors oui, on avait l'élevage de bétail que je vais faire repartir à ce niveau-là. À ce niveau-là. En faisant quelques maisons quand même, parce qu'il faut pas déconner. Première maison niveau 6 et B. On va faire quelques maisons là, mais j'ai pas besoin vraiment de plus non plus. Des entrepôts, un entrepôt là. Comme ça. Je voudrais savoir comment on est le niveau habitant. Ouais, j'ai le nombre d'ouvriers là, la vache. Bon, on est bien. Je vais pouvoir enfin construire. Ça. Et ça. Le bois que ça me demande, les deux trucs par contre. Drôle. Et un fromager, voilà. Inaccessible. Comment ça inaccessible? Ah si, par là les gars.
Oh merde, je vois ce qu'il veut dire. Oui, d'accord. Alors ça, je vais faire une construction rapide et ça, je vais faire une destruction rapide. Ok. C'est quoi ça? Oui là. Ok. Ce qui fait que là, on est pas mal. Je suis comment en pierre? Je suis bien en pierre. Je suis même pas mal du tout en pierre. Hein. Purée. Alors, on va accélérer ces deux-là. Et on va faire de l'isolation, double isolation, voilà. J'ai deux fermes qui sont en train d'être faites. J'en ai deux de faites et j'en ai deux là où il y a encore quelques arbres dessus. Ok. Bah j'en profitais pour. Oh, il y avait le récap. Récap que j'ai pas vu. Oh la vache, la taille des rues là. Plus tard, on appellera ça la route 66. Avec les ranchs, ça tombe bien. Tu me diras, je sais pas s'il y a des ranchs sur la route 66. Ça doit y en avoir, non? Je connais tellement rien. Voilà. Avec la petite route là, qui fait comme ça, là. Hop, voilà. On va la finir quand même, faut pas déconner. On va faire ça bien. Ah, j'en ai vu une ici. On va le faire, les petites routes. Juste là, histoire de... dire que dans cette zone-là, on n'aura plus de route à faire. Voilà, bon, j'ai plus de pierre. Alors, on termine l'année là-dessus, et la vidéo également. Oui, augmentation des revenus, plus 1099, oh sympa, sympa, c'est cool. Allez, moi j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiob.